Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europa. Dans le calendrier catholique, ce 24 janvier est le jour de la Saint-François de Sales, l'occasion pour Franck Ferrand d'évoquer la figure de cet évêque de Genève du début du XVIIe siècle. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. On parle beaucoup de saints en ce moment. C'est vrai. Saint-François-Xavier l'autre jour, Saint-François de Sales aujourd'hui. Alors le hasard faisant bien les choses, à moins que ce ne soit la Providence, Patrick de Gméline fait paraître demain chez Omnibus une biographie du fondateur avec Jeanne de Chantal de l'ordre de la Visitation. Ça s'intitule François de Sales, le gentilhomme de Dieu. Et nous allons donc partir, si je comprends bien, pour les Alpes et, oui, et la Savoie la cet après-midi, Genève, Annecy. Et Annecy que Lorena Martin connaît comme sa poche. Nous ferons aussi un retour de fin d'émission sur cette phrase historique de Louis XVI. Il n'y a plus de roi en France. Au cœur de l'histoire sur Europe. 1. Franck Ferrand. Nous sommes donc au sud du lac d'Annecy en ce printemps 1592 et c'est un printemps particulièrement joyeux au château de la Tuile puisque la famille de Salles, noble famille s'il en fut, retrouve son fils aîné François qui était parti depuis de longues années faire à l'étranger ses études. On l'accueille avec transport, on le regarde avec une fierté justifiée puisque ce jeune homme de presque 25 ans a tenu toutes ses promesses. Alors d'abord, côté physique, sa taille en impose, son long visage est plutôt agréable, il a des cheveux clairs qui soulignent une douceur naturelle. Deux détails cependant. Il porte depuis longtemps la tonsure, pour des raisons euh, religieuses, ce qui est possible pour un laïc, et il louche un petit peu surtout l'adulte qui revient auprès des siens impressionne par sa stature intellectuelle il a suivi de brillantes études en droit en théologie études menées à paris puis à padoue et qui ont fait de lui un esprit agile cultivé accompli bref voyez c'est un avenir brillant qui s'ouvre devant françois et son père, son père est le seigneur de Boisy, a conscience de tout cela, il se réjouit, bien entendu. Il entend établir son fils. L'établir, ça veut dire le marier, et le lancer dans la carrière. Quelle carrière Carrière juridique. Et évidemment, il voudrait même faire de lui un sénateur, ce qui, en sa voix, constitue la dignité la plus haute. Il y a cependant un problème de taille, c'est que, depuis l'enfance, et sans que son père en ait eu vent, François songe à autre chose. Ce qu'il veut, lui, c'est être un jour ordonné prêtre. Ce qu'il veut, c'est consacrer sa vie à Dieu. Il n'empêche, le seigneur de Boisy euh, lui continue sur sa lancée, il avance ses pions, si je puis dire, une certaine Françoise Suchet de Mirbel qui à quatorze ans lui paraît le meilleur parti possible pour son fils, et François ne peut pas vraiment éviter la rencontre. Euh, ça se passe assez mal, disons le, le jeune homme n'y met aucun enthousiasme, et l'on peut dire qu'entre les jeunes gens la gêne est palpable après deux entrevues assez pénibles, l'affaire visiblement ne pourra pas aboutir. Alors euh, François semble peiné à s'opposer à, à son père, euh, qui avait pour lui une voie toute tracée Bientôt, il est inscrit au barreau de Chambéry et, faute de dire ce qu'il ressent à son père, eh bien, il se dit qu'il pourra se laisser entraîner dans cette vie dont il ne ne, ne veut pas. Euh, il y a quand même un côté, en apparence, dans un premier temps, assez passif chez ce jeune homme. Et c'est alors que serait survenue une péripétie volontiers reprise par les agiographes, ai-je besoin de vous le dire Il est à cheval, François et il est victime d'une chute pour le moins surprenante. Mais c'est un chemin de Damas, me dites-vous, c'est Saint-Paul. Je cite Patrick de Gméline. Bon cavalier, il se relève aussitôt, mais remarque que son épée s'est détachée et gît sur le sol, sortie de son fourreau, avec lequel elle forme comme une croix. Mmh. Il la ramasse, sans s'en préoccuper, et remonte en selle. Mais un peu plus loin, nouvelle chute. Nouvelle formation en croix de son épée et du fourreau. Il est peut-être intrigué, il l'est certainement lorsque l'incident se répète une troisième fois, entre parenthèses, quel cavalier François <laughs> se rend à l'évidence, il va bien devoir aller au bout de son destin. Il lui faut affronter son père et bientôt décliner l'offre qui lui est faite de devenir sénateur. Alors, cependant, il peut compter sur des alliés dans, dans la confidence. D'abord, sa mère euh, lui fait fabriquer une tenue d'ecclésiastique. Donc, ça veut dire qu'elle est tout à fait d'accord, elle. Euh, son cousin, Louis de Sales, qui lui-même est prêtre, convainc l'évêque de Genève, Monseigneur de Granier, d'agir pour faire de François le nouveau prévôt du chapitre de Saint-Pierre de Genève. Il faut quand même préciser que Genève, à l'époque, est complètement acquise au protestantisme. Vous voyez l'époque dont je vous parle. Genève est devenue la capitale des calvinistes. Les dignitaires catholiques ne siègent donc plus à Genève. C'est ainsi que l'évêque de Genève se trouve à Annecy, à l'époque ne reste plus qu'à convaincre le seigneur de Boisy, quand François ose enfin lui parler de son désir d'être d'Église, la réaction n'est pas bonne. Vous imaginez, ce père a tellement rêvé à autre chose depuis si longtemps pour son fils. Il est âgé, ce père. Il s'inquiète pour l'avenir de la famille. Il ne comprend pas que ce fils, tellement doué, se détourne des opportunités incroyables qui s'ouvraient à lui. Et François explique, il rassure, il argumente, non, sa vocation sacerdotale n'a rien d'une tocade. Il pense réellement suivre un appel de Dieu. Et que voulez-vous que fasse... Le seigneur de Boisy, bon gré mal gré, il se laisse convaincre. La bénédiction paternelle sera même finalement obtenue. Et dès lors, dès lors tout s'accélère. François reçoit les ordres mineurs en juin 1993, 1593. Six mois plus tard, ça y est, il est ordonné prêtre. Ça, c'est l'aboutissement, vous me direz. Quoique, déjà, ses talents sont remarqués son intelligence, son dévouement, sa modestie, qui étonnent tout le monde. Rien, chez lui, ne semble ordinaire. Le jeune homme prêche, et prêche avec adresse, que dis je. Il prêche avec puissance. Voici ce que précise un auteur quasiment contemporain. Il avait une voix forte et intelligible, le style élégant, les termes propres, les paroles claires, les conceptions hautes et divines, la façon de traiter les matières si faciles que chacun s'en rendait capable, accompagnant son discours d'un geste grave qui néanmoins ne tenait pas du fâcheux ou du sévère. Le, vraiment, on peut dire que nous sommes en présence du plus grand des orateurs. François va avoir besoin de toutes ses qualités, puisque l'année qui suit son ordination, on pense à lui pour une mission vraiment délicate. Sur la rive sud d'un autre lac, le lac Léman, la région du Chablais est pressée presque entièrement au calvinisme. Le, la religion protestante est en train de gagner du terrain il y a cette occupation bernoise il y a l'influence de genève toute proche bien entendu mais le duc de savoie qui appartient le chablais n'a pas l'intention de se résigner à ce changement de religion lui a bien l'intention de maintenir et si possible de diffuser à nouveau le catholicisme et monseigneur de granier va, déjeuner, va désigner pour euh, accomplir ce qui apparaît comme une mission le jeune, l'habile François. Il y a beaucoup à perdre dans une entreprise si ardue. Le seigneur de Boisy est outré, lui. Il ne veut pas que son fils soit envoyé là bas. Il implore à genoux l'évêque de renoncer mais pour François, c'est une question de devoir et ce devoir, il a bien l'intention de le remplir, quelles que soient les difficultés. Et croyez-moi, des difficultés. Jésus il... que ma joie demeure, la cantate religieuse de Bach. À l'instant sur Europe 1, restez avec nous. Franck Ferrand vous emmène cet après-midi au cœur de l'histoire de François de Salle. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors cet après-midi, nous sommes à la fin du XVIe siècle en Savoie, sur les traces de François de Sales. Il est devenu prêtre à 26 ans. L'a vu malgré les réticences de son père. Très vite, il est envoyé dans le Chablais. C'est une région protestante. Alors du coup, son but, c'est de ranimer la flamme du catholicisme. On peut dire. On peut dire, Franck, qu'avec cette mission, il s'inscrit pleinement dans la logique de la contre-réforme. Exactement, c'est ça. C'est cette période euh, qui suit le, le Concile de Trente. Il s'agit mmh. de répondre l'Église est là pour répondre à cette, euh, cet extraordinaire développement du protestantisme. On parle plus aujourd'hui de contre-réforme on a pris l'habitude de dire la réforme catholique, pour des raisons qui seraient un peu longues à expliquer ici. Euh, le Chablais est une région qui est devenue, qui est en train de devenir protestante, mais qui, évidemment, par, par essence, était au départ. Euh, était au départ catholique alors. Euh, à l'époque de François, ce mouvement de, de contre-réforme est très avancé, le Concile de Trente est terminé depuis 1563, il a donné vraiment une impulsion très vigoureuse et il y a des ordres très actifs qui ont été créés. Nous parlions l'autre jour de François Xavier et de son voyage au Japon, rappelez-vous, l'ordre des Jésuites, hein, la mmh. Compagnie de Jésus, qui, qui joue un rôle absolument euh, essentiel. Alors, en allant dans le Chablais, François se sent investi d'une grande mission, puisque pour lui. Euh, épouser la religion. Euh qu'on appelle en France prétendu réformé, pour lui c'est une erreur, c'est une grande erreur. Et donc euh, son but est de tirer des gens de l'erreur. C'est ça, c'est en tout cas la mission telle qu'il la conçoit. Qu Il faut soutenir aussi les quelques catholiques qui restent dans le chablais. C'est Patrick de Gmelin qui précise, je cite En 1594, les catholiques, pour rares qu'ils sont, une centaine, sont pourchassés, brimés. Les églises sont en ruine, les autels et les croix renversés, les statues brisées ou brûlées. Les catholiques sont contre. Sous peine d'amende, d'aller écouter les prêches des pasteurs. Pour le duc de Savoie, fervent catholique par ailleurs, ça ne peut pas durer. Seulement, aussi motivé que soit ce prince, les moyens dont dispose François sont très modestes. Quand il prend à pied la route du Chablais, on est donc là en septembre 1594, le seul prêtre qui l'accompagne, c'est son cousin Louis de Sales. Alors ils sont de résolus, hein, tous les deux, ils sont déterminés, mais enfin on a envie de dire qu'ils sont un petit peu seuls. À leur arrivée, ils sont reçus dans une forteresse par le, le maître des lieux, qui est un baron catholique. Il ne serait pas prudent pour un papiste, comme disent les calvinistes, de loger au milieu de, des protestants. Le plan de François, c'est d'aller tous les jours à Tonon. Tonon, c'est la capitale du, du Chablais. Alors, euh, bien entendu, les, les deux prêtres ne sont pas les bienvenus à, à Tonon et d'autant que François n'a pas du tout l'intention de faire profil bas. Il sait qu'en principe, un accord permet aussi des prêches catholiques dans l'église Saint-Hippolyte de Tonon. Et dès qu'il peut, il s'y rend, Et il commence un prêche. Euh, voyez un petit peu l'audace du personnage. Déjà les protestants témoignent de leur colère, en se répandant en bruit, calomnie, ricanement, raconte Patrick de Gméline. Et l'on entend, sur le chemin des deux prêtres, des cris ironiques, louche, louche, pour se moquer de ce fameux strabisme divergent. Euh, qui, a fait, qui a, afflige François. Celui-ci réconforte son cousin Louis, c'est maintenant qu'il faut avoir du courage, dit-il, et pourvu que nous, vous n'ayez point peur, vous verrez que nous ferons beaucoup. Les premiers mois que va passer François en Chablais ne sont pas très encourageants. Il n'y a pas grand monde qui ait l'air prêt à repasser au catholicisme. Et puis, il y a ces voyages quotidiens à pied en plein hiver dans cette région montagneuse, malaisée, si souvent enneigée, c'est épuisant, c'est dangereux. Un jour, François aurait même été attaqué par une meute de loups. Il se serait réfugié en toute hâte dans un arbre où il aurait dû passer la nuit entière. Ce sont des villageois, entre parenthèses protestants, qui vont le trouver et qui vont le secourir. D'autres, parmi ces protestants là, sont d'ailleurs moins charitables, puisque certains vont jusqu'à le menacer physiquement, et ça n'a pas lieu une fois, hein. c'est régulier cette affaire, il a même un jour échappé à des, à des tirs d'armes à feu. Et malgré tout, il est là, qui ne baisse pas les bras. Il sait qu'il peut convaincre, il est à l'écoute d'idées novatrices pour tenter d'atteindre cette population qui paraît bien décidée à ne pas l'écouter, et c'est ainsi qu'il va se lancer dans l'élaboration de documents qu'on va pouvoir distribuer, des tracts, si vous voulez. Il écrit des textes brefs, incisifs, éloquents. Il y a quelque chose quasiment de journalistique dans ce style. C'est assez étonnant, on est au tournant du 16e, 17e siècle. Et puis, lui et un petit groupe de catholiques recopient patiemment les petits textes en question et ensuite, eh bien, on les distribue. On euh, n'utilise on, on même pas l'imprimerie, on n'en a pas à disposition. Il décide aussi au début de 1595 de vivre pleinement à Tonon et il célèbre désormais une messe régulière dans un village voisin. Parce que quand même, dans la ville, c'était trop délicat à faire. Et bon an, mal an. On va voir notre François recevoir des signes encourageants. Certains commencent à s'intéresser à ce qu'il a à dire. D'autres sont sensibles à, à son statut d'aristocrate issu d'une lignée très bien positionnée en Savoie. Il y a un, un avocat influent qui se lance même dans des conversations théologiques avec lui. L'homme écoute les arguments de François et il finit par sauter le pas puisqu'il demande à revenir dans le giron de Rome. Ah ça, on dirait c'est un succès bien circonscrit, bien limité. Mais ça n'en est pas moins un succès. L'énergie de François euh, n'en faiblit pas moins par moment. Son moral aussi, disons-le, les menaces contre lui ne cessent jamais. Par ailleurs, les moyens alloués par le duc de Savoie restent pff, des moyens relativement négligeables. Certains voudraient organiser une disputatio, vous savez, une dispute publique, une sorte de grand débat sur des points de théologie. Il y aurait d'un côté François, de l'autre un pasteur protestant local. Seulement, euh, les protestants n'ont pas l'air tellement désireux d'aller se frotter à ce débatteur redoutable et à la solidité de sa formation de prêtre catholique. Il a par ailleurs, vous savez, ce talent de prédicateur qui, qui fait fureur. Bien sûr, les activités de François commencent à agacer, à intéresser et à émouvoir les jeunes voix. Là, un théologien qui s'appelle Lafaille Semble prêt à un débat public et puis, puis le débat n'a pas lieu. C'est donc François qui vient à la rencontre de la faille à Genève et cette fois on peut dire que c'est un adversaire brillant contre lequel il va devoir disputer publiquement. Euh, on ne pourra pas aller jusqu'au bout d'ailleurs, mais peu importe. François a pu faire entendre, si j'ose dire, euh, son son de cloche, son son de cloche catholique dans une capitale calviniste. Et au fil du temps, la réputation du prévôt de Salles est en train de se renforcer. Les conversions augmentent en pays Chablais. François est bientôt convié à Turin par le duc de Savoie pour faire état de ses succès pour demander à être mieux épaulé aussi et de retour à Tonon. Il a bien l'intention d'aller plus loin, de poursuivre son action vigoureuse. Alors, il va jusqu'à célébrer la messe de Noël 1596 à Tonon même dans un climat d'hostilité palpable. Il y a des dents qui grincent, si je puis dire. L'atmosphère est pleine de tension. Décidément, les catholiques du Chablais sont en train de faire euh, machine arrière, ils reprennent, ils regagnent du terrain progressivement, et en parallèle, le pape a chargé François d'une grande, d'une ambitieuse mission. Oh, ben disons-le, c'est une mission complètement folle, puisque ce que voudrait le pape, c'est que François obtienne l'abjuration de celui qui n'est autre que le compagnon et le successeur de Calvin, Théodore de Bèze, en personne. Cet après-midi, Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire de François de Sales. François de Sales qui reçoit une mission difficile et risquée, ranimer la flamme du catholicisme dans le Chablais. La suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Et vous le savez, vous pouvez poser vos questions à Franck Ferrand et son invité. Rendez-vous sur Twitter avec le hashtag ACDH et sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1. au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de François de Sales. Le pape a chargé François d'une mission ambitieuse, ben oui. peut-être un peu folle. Il doit obtenir l'abjuration. De Calvin, enfin de Théodore de Bèze lui-même. Oui, c'est ça, qui est le successeur hein, de, de Calvin, Théodore de Bèze, grand, grande figure du calvinisme. Alors, euh, on est là en 1597 et François va donc euh, se rendre à Genève. Évidemment, il doit faire tout ça dans le plus grand secret. On ne sait même pas ce qu'il adviendrait de lui si c'était découvert. Vous imaginez, Bèze et cette figure extraordinaire avec autour de lui toutes sortes de, de, de personnes qui, 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 qui surveillent et qui, et qui le protègent. Il est assez difficile d'accès pour François, mais enfin en avril, François parvient à se frayer un chemin jusqu'au Grand Théologien, Théodore de Bèze l'accueille affable. On se rappelle l'époque où Théodore de Bèze négociait avec la reine régente Catherine de Médicis. On peut penser que les deux grands esprits, d'une certaine manière, se reconnaissent. La conversion de Théodore de Bèze est extrêmement hypothétique, mais enfin bon, pourquoi pas Alors de quoi est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets. François aurait demandé Monsieur, peut-on faire son salut en l'église romaine la question est grave et le calviniste prend son temps pour réfléchir euh, prend le temps de réfléchir prend son temps pour répondre et il, il finit par euh, par lancer certes je vous réponds affirmativement affirmative, pardon il est ainsi sans doute et on ne peut nier avec vérité qu'elle ne soit la mère Église. Ça, c'est le point de départ d'une discussion intense, fructueuse, animée, euh, qui se tend par moments. Bèze, euh, qui est assez irrité sur le fond, propose néanmoins à François de revenir le voir dans l'avenir. Et on se dit qu'après tout, une brèche est peut-être ouverte. En fait non, la brèche n'est pas ouverte, d'autres rencontres vont suivre, mais elles ne seront pas concluantes et Théodore de Bèze évidemment va rester calviniste. La réussite de François, si j'ose dire, il faut aller la chercher ailleurs. Ailleurs, dans sa mission initiale, rappelez vous, on lui avait donné pour mission de convertir le Chablais. Eh bien là, oui. Un certain nombre d'habitants sont revenus dans la communion romaine il y a quelques tensions évidemment qui subsistent mais globalement François s'est imposé, ses conseils sont appréciés, sa stature est maintenant reconnue et, à ton nom, on accepte ses messes. Euh, il y a même des fidèles qui maintenant euh, y courent à ces messes. Certains lui prêtent un miracle. À peu près à cette époque, il aurait redonné vie au nourrisson d'une femme calviniste. Euh, bon, bah ça c'est bon pour les agiographes, si je puis dire, hein, évidemment. Au cours de l'année 1597, il est de plus en plus clair que François va être appelé à des fonctions éminentes, à des fonctions qui le conduiront ailleurs. Il sera sous peu nommé coadjuteur de l'évêque, il apparaît déjà comme son héritier, sa mission en Chablais n'est pas tout à fait terminée, et il y a là un triomphe qui l'attend. François organise, on est en septembre-octobre 1598, il organise de grandes festivités à Tonon. Des fêtes religieuses, bien entendu, marquées par de nombreuses et nouvelles conversions. Euh, une partie de, de l'événement a lieu en présence du duc de Savoie et du cardinal de Médicis, qui est, le, qui est en France le légat du pape les rues de tonon sont richement pavoisées raconte patrick de gméline les tentures pendant aux fenêtres aux balcons la liesse populaire est complète même avec les calvinistes qui ne peuvent faire autrement que d'acclamer au moins leur duc celui-ci prend alors françois de sales par la main et le présente au légat monseigneur Voici le véritable apôtre du Chablais. Vous voyez un homme qui a planté en cette province la croix et la foi de Notre Seigneur en ce qui me regarde, j'ai apporté ici mon épée pour seconder ces saintes entreprises mais il n'y a personne qui puisse nier que toute la louange de cette bonne œuvre ne lui soit due. Voilà ce qui s'appelle un hommage absolument dans les formes de la part du duc de Savoie, et en même temps un hommage qu'il faut prendre pour ce qu'il est. Il y a une forme d'ambiguïté dans ses propos. Après tout, le duc de Savoie va prendre des mesures très dures contre les protestants. Euh, on est toujours dans une période de grande intolérance réciproque. Quoi qu'il en soit, François a gagné ses galons, si je puis dire. Il est devenu véritablement, euh, et à sa manière, il est devenu l'homme de la contre-réforme. Forme. Euh, pourtant, à ce moment-là, vous pourriez penser qu'il a achevé son parcours d'une certaine manière. Non, non, pas du tout. Il n'est qu'au tout début de son incroyable itinéraire, comme vous allez le voir avec mon invité dans un instant. Bonjour, Patrick de Gmelin. Nous nous sommes beaucoup inspirés de cette biographie François de Sales, le gentilhomme de, de Dieu, publiée chez, chez Omnibus. Et nous ne sommes qu'à, j'allais dire quoi, un tiers du livre. Il y a encore beaucoup de choses à raconter sur, sur François de Sales, qui en quelque sorte a fait ses classes. Là, C'est un peu le bizutage, si je puis dire, ce, cette période dans le Chablais. D'une certaine manière, mais il y a gagné aussi une grande audience, car on le connaît maintenant. On le connaissait déjà comme descendant de la famille de Salles, c'est une chose. On le connaît maintenant comme prévôt, comme euh, futur évêque. Et euh, tout ce qu'il dit est important, et sera important même jusqu'à la Cour de France, on le verra plus tard. Donc maintenant, il est prêt, effectivement, à faire d'autres choses. Le Chablais est une partie de sa vie, très importante. Euh, mais ce qui va se passer maintenant est encore plus important. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de François de Sales cet après-midi sur Europe 1 et pour aller plus loin dans l'histoire de ce prêtre, eh bien vous recevez aujourd'hui Franck Ferrand, Patrick Degmelin. Il est historien et il est l'auteur de François de Sales, le gentilhomme de Dieu, qui sortira demain chez Omnibus. Alors euh, il faut dire que ce, ce gentilhomme de Dieu est une biographie. Patrick de Gmelin, ce n'est pas une agiographie, même si c'est la vie d'un saint. Faut peut-être bien vous expliquer la différence entre les deux exercices. Ah, elle est d'autant plus importante cette différence que dès le début de mon travail, qui remonte à fort longtemps, j'ai dû me battre. Oui, on battre... sent que c'est l'œuvre un, un, un... un, une œuvre de vie, longue haleine, oui, 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 voilà, puisque j'ai été oui. élevé à Saint François de Sales, il oui. m'est resté de quoi écrire un livre. Finalement, c'est pas fréquent, fréquent. Bien, bien. Mais dès le début, j'ai dû me battre contre des agiographies. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur Saint François de salle dès le XVIIe siècle. Or, la grande majorité sont des hagiographies c'est-à-dire que le saint est au-delà de la santé il est beau il est intelligent il fait des miracles en claquant des doigts euh, dès l'âge pratiquement de 3 ans et tout est comme ça et, et racontez l'anecdote de la nourrice par exemple ah, c'est extraordinaire l'enfant a 3 ans il se promène même peut-être un peu plus jeune avec sa nourrice près du château de torrens et puis brusquement passe sur le chemin un enfant qui est Très, très misérable, en mauvaise santé. Et à en croire les agéographes, le petit François dit à sa nourrice de prêter le sein à ce jeune garçon pour lui donner du lait et qu'il soit nourri. Et ça a été cru, pris, repris, raconté. Lettre, oui. Et ce n'est qu'une Des multiples anecdotes hagiographiques. Et comme le problème de beaucoup d'historiens, je ne dis de méchanceté sur personne, c'est de recopier ce qui a été dit par les prédécesseurs voilà. je me suis trouvé devant des biographies, même relativement récentes dans le temps, c'est-à-dire fin 19e ou début 20e, où tout ça a été repris. Et j'ai eu ce sentiment assez délicat, ça ne m'était jamais arrivé, de devoir commencer par couper tout ce qui était les hagiographies pour revenir à l'origine de l'histoire. Mais c'est peut-être ce qui, pour moi, en tous les cas, faisait l'intérêt. De mon travail d'historien. Quelque chose de très, de très concret. Vous nous racontez en quelque sorte le, le quotidien de cet homme, oui. ce François de Sales, donc d'une grande famille. N'oublions jamais que c'est un, c'est comme vous le dites dans le sous-titre, c'est un gentilhomme. Ah, c'est un gentilhomme, et c'est une chose qui compte encore plus à l'époque que maintenant, bien sûr. Mais sa famille, qui n'est pas une très grande famille, c'est une très bonne famille, famille oui. qui a de l'argent sans plus, on aime faire des mariages d'argent parce qu'on en a besoin, mais il joue un rôle important dans toute la région et François de Sales a la, la conscience absolue d'être le descendant de cette famille. Il le sait, tout le monde autour de lui le sait et il va s'en souvenir toute sa vie euh, de prêtre d'évêque, même si il, ça, il, est, il est très proche des pauvres des, des, des âmes, et des humbles, et s'il est effectivement. Est-ce qu'il n'a pas le sentiment tout de même toujours d'avoir déçu son père, parce qu'il y a eu ce problème Alors même. je pense que ça, il ne me l'a pas confié personnellement, <laughs> je ne l'ai pas vu en songe, mais il est vrai qu'au moins pendant les premières années, contrarier les ambitions légitimes, légitimes de son frère, de son, de son père, père oui. en tant que chef de famille. C'est une chose qu'il a sûrement contrarié, mais il restait ferme sur ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire devenir prêtre. Il a eu du mal, mais il y est arrivé et euh, ça a donné euh, toute sa vie par la suite. Et c'est vrai que sa vie quotidienne est une chose importante. Je ne suis pas du tout un exégèse, je ne suis pas capable de parler de spiritualité comme un théologien, ce n'est pas du tout mon truc, comme on non, dit. Non, non, tout, oui. Et ce qui m'intéresse dans les personnages que j'étudie, et au premier rang desquels François de Sales aujourd'hui, c'est derrière le saint, derrière l'évêque, derrière le prêtre, il y a la vie de l'homme au quotidien dont on ne parle pas assez. Et puis il y a la vie des, des hommes et des femmes qui l'entourent. On est dans une époque, cette carrière, si j'ose dire, ce parcours de, de François de Sales ne n'est pas n'importe où, n'importe quand. Nous sommes en pleine contre-réforme. Le nom et le mot a été prononcé plusieurs fois, ou mm -hmm. que réforme catholique, si l'on préfère. C'est-à-dire que il y a là cette espèce de mouvement, de très grande énergie de l'Église catholique qui essaie de faire face à ce qui un siècle plus tôt est apparu sous les traits de la réforme, si je puis Absolument. dire. Absolument. Et en pensant. Que Cette réforme est apparue parce que l'église catholique, dont toutes ses composantes, que ce soit les prêtres, que ce soit les moines, que ce soit les religieuses, mm -hmm. n'était pas, faut-il faut, faut -il le dire, un exemple très performant. Oui, ni, ni de vertu, ni de. De vertu. Non. Et on peut comprendre, et moi en tous les cas je l'ai compris, que la réforme puisse naître. Or, François, pendant toute sa vie, euh, pendant la contre réforme va devoir lui-même se battre contre les restes de ce qui a produit la réforme il a lui-même remis à sa place on peut le dire des prêtres des abbayes, il a été maître de l'ordre et ce n'était pas facile. Et là, il a fait preuve d'autorité non seulement d'évêque, de dignitaire de l'Église catholique, mais également de gentilhomme et de seigneur. Alors vous dites, oui, euh, toujours cette dimension euh, noble d'une certaine façon. Toujours, chose. à l'époque, ça compte beaucoup. Bien sûr, mais euh, vous venez de dire qu'il est évêque. Moi, je l'ai laissé coadjuteur, c'est-à-dire oui. euh, adjoint, si l'on veut, de l'évêque. Oui. Il va devenir l'évêque en titre. Il même. va devenir l'évêque en titre au moment où son prédécesseur mm -hmm. meurt. Et il faut dire une chose qui est assez extraordinaire. Là, je ne crois pas qu'il y ait simplement de la géographie. Beaucoup de gens, dès qu'il est devenu prévôt, c'est-à-dire le deuxième personnage du diocèse, beaucoup de gens ont vu en lui le successeur de l'évêque en titre, et l'évêque lui-même. Et on a un certain nombre d'histoires merveilleuses où il rencontre des gens, y compris des gens importants, qui disent « Vous serez évêque euh, un jour, vous prendrez la place de l'évêque actuel. » On voit bien qu'on a affaire à quelqu'un qui n'est pas et, euh, classique. Il est hors, du oui, hors du commun. Et je pense aussi, et ça c'est tout à fait anti géographique qu'au fond de lui-même, l'homme qu'il est euh, n'est pas totalement mécontent de grimper dans la hiérarchie, surtout que vis-à-vis -vis de sa famille, il et doit toujours voilà, cette son rôle. Et il n'est pas contre ce rôle. Simplement, il ne veut pas trop en faire. Quelque part, quand même, c'est comme quand le roi de France veut lui propos de venir en France par la suite et de lui donner le chapeau d'évêque de Paris, ce qui voulait dire le cardinal à et terme. Oui, oui. Il n'a pas tellement envie, il n'a pas tellement envie, on dit officiellement par modestie. Moi, je dis qu'il y a la modestie peut-être, mais il y a aussi, on est mieux le premier euh, à, à, comment dirais-je, dans, dans son village que, que le second, second à Rome. Rome. <laughs> il est le premier ainsi. et dans tout son diocèse. À Paris, il serait peut-être confronté à d'autres personnes. Ce n'est peut-être pas très agiographique, ce que je dis, mais n'est pas impossible que son sentiment ait été dans cette direction également. Réglons la question de la Savoie, de la France, oui. de cette République de Genève. Ça n'est peut-être pas toujours très familier pour tous nos auditeurs. Non. Alors, dans quel contexte sommes-nous François de Sales est un Savoyard. Il mm -hmm. dépend du duc de Savoie. La Savoie, à l'époque, est, est, est un état indépendant. C'est un duché indépendant. Mm -hmm. Il va falloir attendre Napoléon III pour que la Savoie soit euh, reliée à la France. Une Donc, partie d'entre elles. Une, une partie, partie d'entre de elles. Et pendant toute cette période, François de Sales va s'estimer, se proclamer et même se défendre. Il est Savoyard, puisque certains vont dire qu'il trahit son duc en parlant avec le roi de France, oui. comme s'il était acheté. Il mais va devoir se défendre. Mais non seulement il parle, mais il écrit en français, hein, ne l'oublions pas. Il écrit en français, qui est la langue à l'époque de tout le monde, et en Savoie également, mais il reste Savoyard. Et c'est une chose il faut, dont il faut se souvenir, d'autant plus que quand on va actuellement... En Savoie, à Annecy, ce particularisme existe encore bien un sûr, peu, c'est très net. Et l'on est, il suffit d'aller à Annecy pour le voir, on est aux portes de Genève bien sûr, et Genève c'est le bastion du ah, calvinisme, c'est-à-dire c'est le, le, la pointe avancée de la réforme. Hein. C'est la pointe avancée de la réforme et c'est là qu'on peut s'étonner de voir ce, cet homme, ce grand saint, cet homme généreux, avoir un objectif extrêmement euh, furieux, abattre, les calvinistes et il n'aime pas les calvinistes. Il ne les traite pas comme des gens qu'il faut caresser dans le sens du poil pour en faire des bons catholiques. Tout calviniste pour lui est un ennemi spirituel, alors que souvent le considère comme un ennemi même physique. Vous l'avez dit tout à l'heure. Mais c'est assez drôle de voir que cet homme considère les calvinistes comme des ennemis au sens vrai du terme. Alors, nous allons dans un instant voir à quoi ressemblait la vie quotidienne de Saint-François de Sales, puisque c'est ce que vous nous racontez dans cette, dans cette biographie parue chez Omnibus. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de la vie de François de Sales cet après-midi sur Europe 1 avec votre invité, Franck, l'historien Patrick de Gmelin, qui est aussi l'auteur de la biographie François de Sales, le gentilhomme de Dieu. Une biographie que vous découvrirez dès demain et qui paraît chez Omnibus. C'est non seulement un grand prédicateur, mais c'est un, un remarquable évêque et un évêque très proche de ses ouailles, si je puis dire, ce, ce François de Sales. Très, très proche au point que euh, on le voit non seulement se promener dans les rues d'Annecy, parler aux enfants, parler aux gens, c'est un personnage important mais il y a une anecdote qui, à mon avis, est très très caractéristique. Un jour, il est dans son évêché qui existe toujours, le deuxième, et on le voit par la fenêtre. Il est en train de prier <laughs> ou de lire quelque chose. Et il y a une brave dame d'Annecy <laughs> qui arrive, qui a besoin de se confesser, et elle fait des signes avec la main jusqu'à temps que du genre oé, oé, dans le genre jusqu'à temps que l'évêque la voit et elle lui fait signe de descendre. Et lui se lève, laisse ce qu'il faisait, descend de l'évêché, va voir cette dame qui lui dit sans doute Monseigneur, je voudrais me confesser. <laughs> Et il l'emmène, il la confesse. On imagine la scène maintenant. Et il y a aussi ce gentilhomme qui le surprend, si l'on peut dire, en train de raccommoder ces ah, choses extraordinaires. Un jour, ce gentilhomme rentre dans la pièce où François de Soile doit se tenir et il voit l'évêque le, le, qui est en train de ravauder ça. quelque chose. Il lui dit Mais Monseigneur, qu'est-ce que vous faites et Il est en train de ravauder ces autres choses qui sont un petit peu abîmées, rapiécées. Il lui dit Mais enfin, ce n'est pas à vous de faire ça. Parce qu'il vivait dit, dans si... la plus grande simplicité. Il lui dit dire. Si je les abîme, c'est à moi de les raccommoder. Mais, et d'ailleurs, il n'y a pas d'ostantin de pauvreté, Jamais. Hein, c est, c est pas. simplement de la simplicité, de la simplicité, tout à fait. De temps en temps, il s'habille quand même en évêque euh, avec des belles, des, des belles étoffes, mais ce n'est pas pour lui essentiel. Oui. Alors, cette, euh, on peut dire que, ce, que ce, cet évêque va aussi. Euh, être en quelque sorte un professeur. Oui. Il va aider d'autres prêtres à, à s'installer. Il va écrire un, un, un traité de, du sermon d'ailleurs. Hein. Un traité du sermon euh, qu'il dessinait à, à son au frère de Jeanne de Chantal, Monseigneur Frémiot, qui avait été ne archevêque de Bourges et il avait été sacré. mais Il ne savait pas dire la messe. Alors dans un premier temps, François de Sales va lui apprendre à dire la messe. Et puis comme il prêche bien, Monseigneur Frémiot lui dit "Mais Monseigneur, est-ce que vous pouvez m'envoyer quelques conseils Et les quelques conseils se passent 115 pages très serrées qui sont devenues un espèce de traité du serment. Ça a été considéré comme tel avec tout ce qu'il faut faire et ne pas faire, y compris taper de son ventre contre <laughs> la chair. Il, y a des, il, y a, il, a, il aborde tout le ton, la gestuelle. C'est assez extraordinaire, Alors, mais c'est un véritable traité. Donc, c'est un conseil pour Le, le grand écrit de François de Sales c'est évidemment l'introduction de... à la vie des votes. De donc, ça, c'est son maître-livre, C'est son maître-livre, si maître euh, qu'il a fait grâce aux lettres qu'il envoyait à l'une de ses protégées, euh, qu'on appelait filotée Madame de Boisy. Et euh, c'est un, 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 un des prêtres qui, est étonné de voir la science de cette femme, qui a dit Mais d'où la sortez-vous Mais des lettres que m'adresse François de Sales. Et ce prêtre est devenu un espèce d'éditeur. Il a dit Monseigneur, il faut que vos lettres soient publiées. Alors, François de Sales a fait, comme tous les auteurs, il a corrigé, etc. Le livre est sorti, et ça a été un succès Immédiat. Il y a une pensée salésienne, il y a, il y a une oui. pensée salésienne, il y a une philosophie salésienne, il y a une spiritualité salésienne qui a été étudiée par des gens infiniment plus savants que moi. Ce qui est extraordinaire, c'est que tout ça date du début du XVIIe siècle et que l'introduction à la vie des votes est encore en 2018 l'un des livres les plus édités au monde. Incroyable. Rien qu'à la Bibliothèque Nationale de France, il y a actuellement 216 éditions différentes dans toutes les langues. Et ça a eu un, un, une influence très considérable sur tout le grand siècle. C'est-à-dire on peut dire que tout le XVIIe siècle est d'une manière ou d'une autre salésien ou anti-salésien, peu importe. Mais en tout cas, cette introduction à la vie des votes a joué un rôle essentiel. Et puis, il y a la création de l'ordre aussi. Vous parliez ah. de Mme de Boisy. Il y a des, il y a des dames que, que l'évêque... Euh, aime particulièrement avec lesquels oui, il est alors, en grande amitié et c'est le cas de Jeanne de Chantal il est entouré de femmes de la haute société parce que c'est comme ça on ne peut pas dire qu'il va les choisir c'est comme ça et parmi elles il y a Jeanne Frémiot qui est devenue baronne de Chantal mm -hmm. dont la petite fille sera madame de Sévigné mm -hmm. les lettres sont toujours présentes et il rencontre cette femme à Dijon lors d'un prêche. Il y a quelque chose qui se passe entre eux, ce que j'appelle une amitié fusionnelle, mmh. car en dehors d'une Une sorte de coup vivre. de foudre amical, ah, c'est un coup de foudre amical et spirituel. Mmh. Et ils vont créer à deux cet ordre de la visitation qui est toujours vivant et dans lequel ils jouent un rôle considérable. Elle est un est une véritable chef, non pas de gang, mais de chef d'ordre. Et François est le chef aussi et l'inspirateur. Ils vont y travailler beaucoup et ce, ce, cet ordre va persister, perdurer jusqu'à nos jours. Les visitandines, les, visitandines. Mmh. les fameuses visitandines, d'où la pâtisserie qui a effectivement été créée par les visitandines. Il ne faut jamais laisser ce côté-là <laughs> du indûment sous vous feriez Mais oui, mais on non. me connaît, on me connaît. <laughs> je suis comme François de Sales. Je suis grand, un peu fort, mais je n'ai pas de strabisme. Mais il avait, vous ça, Et lui c'était un strabisme divergent. divergent on imagine le... à peu près ce que ça doit donner, hein. les, les, les yeux qui vont légèrement un petit peu de côté comme ça. Il était grand, euh, grand, roux. fort, roux. Il avait du ventre. Oui. Euh, il avait une Très mauvaise circulation des jambes, toujours comme moi. Quand il montait à cheval. Vous êtes sa réincarnation. Hein ah mais C'est absolument. c'est pour ça que j'ai écrit le livre, d'ailleurs. Et quand il montait à cheval, il posait sa jambe droite sur l'arçon de, la de la selle, parce que ça lui faisait très mal. Et à oui. la fin de sa vie, il se déplaçait avec beaucoup de difficultés. Ah oui, c'était une sorte de colosse, de géant. Ah, c'est une colosse Je pense, d'après mes, mes études, est-ce qu'on a des vêtements de, vêtements de lui, qu'il mesurait entre 1 m et 1 m. Oui, c'est ça. Très grand. D'autant plus pour l'époque. Hein. C'était une, plus une sorte de géant. Comment est-ce qu'il finit, ce géant, si je puis dire, en 1622 Eh bien, ce géant finit... Euh, euh, J'allais dire qu'il mourait presque d'un coup de froid, en fait. Il était assez malade. Il meurt à Lyon. Il a été euh, voir le roi de France qui remontait euh, d'Evignon. Il l'a rencontré. Il a parlé avec lui, il a rencontré Richelieu, mm -hmm. avec qui il a eu mm -hmm. des échanges. Saint-Vincent de Paul, qui n'était pas encore saint et qui a pris d'ailleurs sa tête à, à, la, à sa, sa suite à la tête de la Visitation. Il rentre à Lyon et il meurt à Lyon, euh, tout près de la place Bellecour, d'ailleurs, dans un endroit qu'on connaît bien, qui a disparu, mais on connaît bien. Il est dans l'humble cahute du jardinier chez les sœurs de la Visitation. Tout le monde vient le visiter et il meurt à Lyon. Et Les Lyonnais ne veulent pas le lâcher parce qu'on voudrait l'enterrer à Annecy, mais les Lyonnais, qui sont français... Et pas savoyard, veulent le garder. Et là, c'est politique parce qu'ils veulent qu'il soit un saint eh oui. français. saint parce qu'il est vite canonisé. Il est canonisé très vite. On fait deux procès euh, pour être plus sûr. Mais euh, il est assez vite canonisé. Merci beaucoup, Patrick de Gméline d'être venu nous parler de François de Sales, ce gentilhomme de Dieu auquel vous consacrez une belle, une épaisse, une passionnante et foisonnante biographie chez Omnibus. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et il est temps d'aller se balader maintenant dans les régions qu'a traversées François de Sales et ah, dont on vient de parler mais... Annecy, Genève. Et, et là, je dois vous dire que mon, mon cœur se serre parce ah, oui. que nous sommes, à mon avis, dans un des plus beaux endroits de France. Oui. Vous imaginez Taloir, le lac d'Annecy, Annecy même. Mais quelle merveille Bonjour, Lorena. Bonjour, Franck. J'ai envie de vous parler du coup des trois lieux majeurs liés mmh. à François de Sales à Annecy. Vous avez bien sûr la maison et la chapelle de la galerie. C'est là, dans cette maison assez humble, que François de Sales a fondé l'ordre de la Visitation mmh. avec, avec Jeanne de, de Chantal. Chantal dont on venait parler oui. qu'il avait installé ses premières religieuses visitandines. Vous avez aussi l'église Saint-François de Sales qui a été construite pour abriter le tout premier couvent de l'ordre de la Visitation. Et les reliques de François de Sales sont restées dans cette église jusqu'à la Révolution. Mmh. Et puis enfin, bien sûr, la basilique de la Visitation et ses c'est là que se trouvent aujourd'hui les tombeaux de François de Sales et de Jeanne de Chantal, ainsi que le couvent à côté, un musée sur leur vie. On, et le couvent a accueilli d'ailleurs les religieuses de la visitation. On peut aussi. faire une visite sur les, sur les traces, si oui. je puis dire, sur les pas de, Complètement. Il avec Patrick de, de Gméline <laughs> Pourquoi <rire> pas On sinon... va en faire une peut-être bientôt avec une terres. On va peut-être faire ça. Il faut vous adresser sinon à l'office du tourisme du lac d'Annecy et ils mettent en place un circuit de visite consacré à François de Sales. Alors, euh, traversons si je puis dire le, le lac, allons un peu plus loin en, en tout bateau. cas. Euh, vers le vers le sud vers, vers l'abbaye de Talloire, oui. merveille des merveilles. On est à 15 minutes d'Annecy et à l'époque les moines de cette abbaye étaient en train d'ailleurs de tomber dans la décadence, ils avaient vraiment beaucoup de privilèges et ils ne servaient plus trop les intérêts de l'église et François de Sales avait été missionné pour remettre un peu d'ordre dans cette abbaye, mais il s'est heurté bien sûr à des moines qui avaient trop de privilèges et vraiment peu enclin à changer leurs habitudes et cette abbaye est devenue depuis 150 ans un hôtel moderne, c'est aujourd'hui un hôtel restaurant spa Étoile située au bord du lac d'Annecy, qui est le lac le plus pur d'Europe. Et on est là au creux de la baie de Talloire. On peut y accéder en voiture ou en bateau. C'est le premier hôtel qui a été érigé au bord du lac d'Annecy. Et un hôtel qui a reçu des célébrités comme Churchill, Incroyable. comme Mark Twain, comme Paul César. Qui a peint le fameux lac d'Annecy ou oui, lac oui, oui, bleu. Euh, Jean Reynaud aussi, qui fait partie des actionnaires de, de l'abbaye. Et cette année, ils célèbrent leurs 1000 ans d'existence. 1000 ans euh, Oui, et on retiendra la date de 1018, où l'abbaye <laughs> n'est encore qu'un prieuré bénédictin qui deviendra. Plus tard, donc une abbaye royale au XVIIe siècle. Et il y a notamment une chambre, la chambre du prieur, qui est classée monument historique avec des toiles peintes, des tentures, euh, des boiseries du parquet d'origine. C'est encore ouvert là en... Alors c'est fermé, ah. euh, puisqu'il ah. profite de l'hiver chaque fois pour être rénové, mais il rouvrira le 9 février prochain. Allez-y, vous pouvez même y aller en tant que simple visiteur, pour euh, notamment pour des concerts, des expositions et des événements. Merci beaucoup Lorena. Eric nous dit Merci pour cette émission sur Saint-François. Ici en Savoie, il a marqué le pays. Une phrase de François, Reste gravée à jamais. La Savoie est une et indivisible. Ça, les Français l'ont oublié. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et Aujourd'hui, vous revenez, Franck, sur les origines d'une phrase. Cette phrase, oui. c'est :« Il n'y a plus de roi en France. » Elle a été prononcée par Louis XVI le 21 juin 1791, dans le cadre de l'arrestation à Varennes. Vous pouvez nous rappeler oui. un petit peu le bah, contexte Vous savez, euh, c'est on est à ce moment où le roi estime qu'il n'est plus libre de ses mouvements, qu'il lui faut prendre de, euh, un peu de latitude. Ça va être ce, ce départ vers Montmédy qu'on appellera la fuite à Varennes, puisque oui. finalement l'équipée royale euh, est arrêté à Varennes. On est au moment de la, la nuit la plus longue de, de l'année. Oui, fait. du 20 au 21 juin. 1791, c'est la Exactement. nuit la plus longue. Et oui, c'est la nuit la, la plus longue. Ce sera peut-être aussi la nuit la plus longue de la, de la vie de Louis XVI et de Marie-Antoinette, d'une certaine manière. Ça a été une horreur. Le retour à Paris s'est fait sous les crachats et les huées de la foule. Ça a été terrible. Et au moment où, parce que là, je vous raconte ça en, en quelques secondes, mais on est chez l'épicier Sauce. Le roi et sa famille sont là. Ils ont été arrêtés, reconnus, arrêtés. On attend l'arrivée des, des estafettes, des envoyés de, de l'Assemblée. Et quand ils arrivent, ils arrivent avec un décret de l'Assemblée. Le roi le lit. Et et c'est à ce moment-là qu'il a cette phrase qui est historique, oui incontestablement, il n'y a plus de roi en France. Nous nous retrouvons demain, cher Anissa. Ah ben nous ne serons pas loin d'Annecy, puisque demain nous irons à une centaine de kilomètres d'Annecy à Grenoble et vous allez nous faire revivre les JO de 1968. Et oui, les Jeux olympiques d'hiver de Grenoble.